Stop Me Now de Queen. On va voir ça passage par passage. Pour ce qui est des accords utilisés, bah, je vous laisse vous référer, hein, grosso modo, toujours à ce que je mets en début de vidéo, au milieu du tuto. Si je résume au niveau de l'intro, on va avoir un Fa majeur, La mineur, Ré mineur, Sol mineur, le Do, un passage un peu délicat pour bien faire sonner Fa et Fa 7, encore un peu plus délicat ce Si bémol, un truc un peu délicat, le Sol mineur 7, le Ré 7, soit vous le prenez en accord ouvert, soit 5e case en accord barré. Sur le chant de départ, je fais une rythmique simple. Donc, je ne vais pas vous chanter Freddie Mercury. Hein. Et là, on va arriver au fameux passage des contretemps. 2 et 3 et 4 et 1. Bien sentir la mise en place sur les et du Fa et du Do. Sol, 2 et 3 et 4 et 1.
et sur le passage suivant, sol, 2, 3, 4, et celui-là sur le temps. Donc le premier sol mineur sera sur le et, le deuxième est bien sur le temps. Sol, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, et ensuite sol, 2, et 3, et 4, et sol. Là, je fais une ronde sur le do. Et après, j'ai la même grille du couplet qui va aller jusqu'au refrain. Alors, on peut mettre des blocages, hein, si vous voulez. Sol mineur, do, fa, la mineur, ré mineur, le do qui va s'arrêter vraiment sur le et du quatrième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on trouve le système de syncope du refrain. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4. Même chose, 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 5. Donc, bien sentir, je pose hein, les et, c'est en montant après les blocages. 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 3, et 4. Il y a un deuxième passage avec des blocages sur sol, fa, do, sol, qui va être avec la même rythmique, mais juste un signe d'accord différent. 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, même chose. 1, 2, 3, et 4, et 1. À la vitesse, c'est pas forcément évident, notamment le passage entre le do et le sol mineur. 2, 3, et 4. Donc, ça demandera un peu de travail. Dernier accord qui va demander de travail qui est un peu spécifique, on a un si bémol basse do. Non, c'est un la bémol basse si bémol. Voilà, les deux dernières mesures avant de revenir au début du couplet 2. Alors ça, c'est vraiment pas évident, qu'on n'a pas l'habitude. Un petit barré, comme si on venait d'un ré mineur 7. J'ai ma basse si bémol avec ce doigt-là, et c'est mon quatrième doigt qui joue ça. Alors, j'ai pas 50 solutions hein, sur un truc comme ça, vous viendrez en plus d'un do hein, précédemment. Donc je mets au moins ces deux là, mon quatrième et ma basse ici. C'est le genre d'accord qui demande un peu d'expérience pour le faire sonner quand on vient d'un do. On aurait éventuellement ça. Et le remplacer éventuellement si bémol, oui, que je dise pas de bêtises, si bémol. non, même pas parce que si voilà, cette formule là en venant du haut. C'est pas tout à fait complet, normalement faudrait pas jouer l'aigu, mais ça peut être, comme on dit, un pis-aller plutôt que celle là Voilà. Ensuite, de toute façon, la reprise du couplet. Il y aura ensuite le pont vocal et tout le reste, ce sera une redite des passages qu'on aura déjà vus. Voilà, entre l'intro, le couplet et le refrain.
Voilà, bon courage à tous pour ce morceau qui demande un peu de mise en place. Et à bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien.